angel can atone. A paradise you used to call your own. Soul inventor against us all, Lord. Until correction, no, will I believe? When all I hear is lies, they have to know I won't comply. How can you remain so blind? Falling faster till we fly. It seems to resist from mine.
Ok, bon, bonjour à tous. Donc, nous revoilà pour le quatrième volet de Échangeons avec les coachs. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'Anthony, Alexandre et Thierry. Je me présente, Florent Serafini, donc gérant de Connexion Sport et à l'initiative de ces échanges. Donc, on va se présenter, puis par la suite, vous aurez un petit teaser. Et après le teaser, on revient en live comme tout le temps pour échanger sur différentes questions. Donc je vais laisser Anthony se présenter en premier. Bonjour tout le monde, enchanté d'être parmi vous. Je m'appelle Anthony Gros, je suis actuellement CTF dans le département de la Creuse. Voilà, auparavant j'ai entraîné 5 ans en National 3 garçons, en pré-National filles, j'ai eu des jeunes aussi, j'étais salarié de club. Voilà. C'est avec plaisir que je suis avec vous sur cette fin d'après-midi. Thierry ? Oui, Thierry Barbero, CTF également, mais dans le Var. Et je suis donc responsable aussi au club de la SPDT Toulon, notamment sur les catégories masculines. Alexandre. Bonjour à tous, Alexandre Mikhailov, j'entraîne au Kevigal de Nice. J'ai la responsabilité de la NF1 et puis accessoirement, il y a quelques années, centre de formation, U18 France, beaucoup sur la filière féminine. Et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Avant le teaser, vous allez voir sur le côté droit de votre écran, donc pour les internautes, il y aura des affiches qui vont défiler et également les photos des intervenants du jour. Dimanche, on aura également les pédigrés de chaque intervenant et puis on aura tous les intervenants qui sont passés depuis le début. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Merci toujours d'être aussi curieux et intéressé par ces lives. Kevin, le teaser. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions pour un maximum d'échanges. Et on va commencer par notre première question qui est portée sur le poste sur le poste 1. Comment identifiez-vous un poste 1 parmi vos jeunes joueurs et comment vous allez le faire progresser sur l'aspect compétition et plaisir pour l'année jusqu'au haut niveau? On commence avec Alexandre.
D'accord, merci. en plus, il a changé l'ordre des questions, c'est pas mal, mais bon. Non, il a fait un mix. Ouais, il a fait un mix. Identification des qualités, mais déjà, dans quelle catégorie? Donc, je pense qu'il faut quand même identifier les qualités assez tard, parce que c'est des qualités d'habileté, capacité de franchissement, aussi par rapport au développement du sens du jeu. Donc, tu l'identifies peut-être plutôt sur la catégorie U15, en tout cas, U13, déjà, tu le détectes. Et, U15, on voit qu'il y a quand même beaucoup de formes en championnat de France où on joue en fer à cheval, où les joueurs sont beaucoup à l'extérieur, donc il y a une répartition des compétences et un développement global des joueurs sur les compétences. Après, le poste du meneur de jeu, c'est un poste à développer sur le haut niveau, sur l'incertitude et la capacité décisionnelle au-delà des habiletés. C'est d'être capable de prendre la bonne décision au bon moment, d'avoir le bon geste technique au bon moment. Et du coup, c'est un peu les axes de travail. Après, il y a plusieurs types de meneurs de jeu, donc je pense qu'on en parlera. Le combo guard, le joueur de bout de chaîne, le joueur créateur, le franchisseur, le joueur de pick and roll. Donc après, il faut aussi trouver l'identité du joueur et le développer par rapport à ses composantes. Le haut niveau, c'est faire quelque chose de une chose, voire deux choses de façon exceptionnelle. C'est pas avoir un joueur qui sait tout faire, en tout cas, enfin, sauf pour des cas vraiment particuliers comme des joueurs qu'on peut voir en NBA évoluer ou en Euroleague. Mais déjà, s'ils sont sur des composantes qu'ils maîtrisent à la perfection, une ou deux, c'est déjà énorme, quoi. Et ça peut les amener à haut niveau, à mon sens en tout cas. Thierry ? Oui, ben écoute, par rapport au meneur, bon, moi je pense que même déjà en poussin, alors je dis pas qu'on va spécialiser les postes, etc., des poussins, mais le gars qui va monter le ballon en poussin, même en féminine, en poussine, ben, l'entraîneur, il le détecte quand même assez rapidement, le joueur le plus à l'aise avec le ballon, main droite, main gauche. Bon, c'est assez tôt quand même qu'on arrive à l'identifier. Après, est-ce qu'il va terminer meneur ou pas meneur? Bon, ça c'est plus difficile. Ce qui est plus difficile à détecter très tôt, c'est par rapport au poste d'intérieur lié à la taille, à la croissance. Mais au niveau de meneur, moi je sais qu'assez tôt, je responsabilise certains joueurs en U11 pour monter le ballon, notamment. Anto ? Bon, je vais rejoindre un petit peu les idées là, de mes deux collègues. Après, moi, je pense que je rejoins un peu les deux dans le sens où ça va dépendre en fait de la personnalité, je pense aussi, de l'enfant qui peut être aussi, qui peut s'affirmer assez précocement. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qu'on va. Oh là là. Hop là, c'est bon, vous m'avez toujours. C'est nickel, toujours, on t'a toujours. Ah ouais. On va avoir que, parce que moi je vous ai plus, c'est pour ça. Attends, je vous ai plus. Je reviens sur la. Hop là. Ouais, c'est bon, je suis revenu, je vous avais plus. Ouais, donc nickel. Je dis, ça va venir avec la personnalité. Suivant, il y a des enfants où on peut le détecter très tôt parce que c'est naturel. C'est-à-dire que de par les aptitudes, ils vont venir très tôt chercher la balle, vont avoir le sens des responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'ils finiront peut-être poste 1, mais en général, ça peut être déjà un premier bout du maillon et c'est assez facile à détecter. Après, je suis assez d'accord de dire que si on n'a pas détecté ça, on va le faire au fur et à mesure du temps et que sur la catégorie U15, un peu plus tard, on va développer les aptitudes. Ça va permettre vraiment d'orienter vers ce poste-là, quoi. Mais je pense que ça peut se détecter à tout âge et ça peut s'orienter à tout âge. Justement, ça me permet de rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. C'est comment vous décéléreriez ce genre de joueur, donc à tout âge, et surtout comment vous arriveriez à le développer par la suite. Anto ? Comment vous le décéléreriez ? Ben, ce que je t'ai dit, déjà très jeune, il peut y avoir des enfants qui naturellement vont avoir un petit peu de responsabilité, vont être déjà des leaders dans l'âme, de par peut-être leur fort caractère. Leur aisance aussi technique, peut-être ça peut être aussi la taille. Souvent, des petits, on remarque naturellement qu'il y a certains petits qui,
qui prennent ce job-là. Et voilà, c'est comme ça que je les détecterai. Après, un peu plus tard, c'est en ayant une évolution sur comment le jeune joueur voit le basket, comment il comprend, comment il développe son QI, comment il est curieux, comment il bosse. Ses aptitudes de départ ont évolué, se sont transformées avec les qualités qu'il faut avoir pour jouer poste 1. Voilà, je pense que c'est tout un processus, il y a beaucoup d'observations et comme disait, après on travaille tous. Aujourd'hui, c'est encore un peu plus difficile parce que au vu des orientations et du jeu, comment il est fait, tous nos joueurs sont en capacité d'être des meneurs de jeu au moins sur le départ, sur les sorties de balles, que ce soit sur le dribble, sur la passe, sur la longue passe. C'est peut-être encore plus difficile aujourd'hui à détecter parce que nous, peut-être dans notre façon de faire, on va chercher à le développer chez tout le monde. Donc, on va peut-être pas le voir chez certains, mais voilà, je pense que c'est soit ça se voit, c'est-à-dire que le petit ou la petite, elle est vraiment affirmée dès son plus jeune âge, ou soit il va falloir observer, travailler pour l'amener à se spécialiser. Merci Anto. Thierry ? Oui, mais il faut rentrer dans l'observation, c'est sûr. Parce que certains joueurs, bon, tu as certains joueurs qui seront leaders dans l'âme, qui veulent toujours le ballon. Alors là, je parle dans les petites catégories, qui vont vouloir toujours le ballon, mais c'est pas forcément prédestiné à être des meneurs de jeu. Et par contre, tu vas avoir en U11, par exemple, des joueurs beaucoup plus discrets, même plutôt timides, qui vont pas aller forcément aller chercher la balle, mais qui, eux, auront des qualités... ses qualités de meneur de jeu, ce qu'on demande à un meneur de jeu au niveau technique. Et donc, c'est après au coach à déceler ça. C'est pas forcément facile, surtout quand la timidité l'emporte sur l'exubérance, quoi, d'un joueur super vif, super, qui veut absolument le ballon, mais qui n'est pas forcément meneur de jeu. Alexandre? Ouais, c'est le problème de la maturité physique et du développement physique parce que sur les petites catégories, souvent le joueur qui a un schéma corporel qui est déjà plus opérationnel, c'est le joueur de plus petite taille, que ce soit sur les catégories U9, U11, là, tout de suite va développer plus d'aisance, va être beaucoup plus en phase par rapport à ce qu'il fait sur sa motricité. Donc c'est pour ça que sur le développement et comme on le disait chacun d'entre nous, c'est que c'est peut-être, il va y avoir des caps. Quels sont les critères d'observation qui vont déterminer qui est vraiment le meneur de jeu. Alors, est-ce que c'est le leadership, celui qui veut la balle, effectivement? Souvent, c'est compliqué parce que, comme il est en avance sur les autres techniquement, il a la balle et puis il la garde. Il la partage pas forcément. Et puis, c'est le coach qui va être son régulateur. Ou alors, comme on a pu le voir, parce qu'aujourd'hui, des meneurs, c'est plus lié à la taille. On a des meneurs de grande taille, de petite taille, on a des morphotypes qui sont différents. On a des exceptions même, parce qu'on est obligé de constituer des fois avec des exceptions, des joueuses qui sont des exceptions, des joueurs qui sont des exceptions. C'est pour ça que c'est de l'observation. Et c'est plus que le caractère, c'est peut-être la dynamique dans laquelle est le joueur. C'est-à-dire que le meneur de jeu, aujourd'hui, c'est pas seulement avoir des habiletés techniques, puisque je crois qu'on essaye tous de développer... au sein de la formation, le joueur le plus possible techniquement, qui soit le plus habile, c'est peut-être celui qui va être le plus stable dans ses habiletés, le plus dans le contrôle et dans la capacité de partager et d'appréhender le jeu. Et à partir de là, ils vont avoir chacun, chaque joueur va commencer à avoir son identité, puisque tu pourras pas mettre un 2-1, tu pourras pas mettre un 3-1, même si tu vois aujourd'hui des meneurs qui ont des morphotypes de poste 3. Mais c'est dans ce qu'il va générer et la façon dont il fait vivre ses balles et le sens qu'il donne à sa présence sur le terrain. Donc il y a l'accompagnement technique, mais aussi, à mon sens, le process d'appréhender le joueur dans sa composante globale et dans ce qu'il est, dans sa personnalité. Alors ça voudrait aussi dire que le leadership appartient au meneur de jeu. Thierry ? Eh bien souvent, oui. Le leadership, ça dépend le type un petit peu de joueur. Hein. Le joueur shooter, scoreur, il va avoir une emprise un petit peu de leadership aussi sur le groupe. Mais enfin, en tout cas, moi pour moi, j'aime bien les meneurs qui ont ce leadership, qui vont être un petit peu l'assistant, le messager du coach, quoi. Faire transmettre le message aux joueurs au niveau des coachs, de ses partenaires.
c'est un peu l'aspect un peu plus difficile à enseigner, à faire travailler, quoi, parce que tout ce qui est technique, pour un coach technique, travaille la technique du meneur de jeu, la conduite de balle, etc. Bon, c'est des choses qu'on a assez l'habitude de faire. Maintenant, enseigner ce leadership, essayer de ça c'est moins facile. Il y a une culture basket qui est un raisonnement de gestion aussi du jeu, de gestion du temps, mais combien de temps il reste, quel est le score, est-ce qu'on doit calmer le jeu, est-ce qu'on doit relancer, à qui je vais faire la passe, etc. Ça, c'est un petit peu le profil d'un vrai meneur de jeu. Et ça, c'est pas facile à enseigner, en tout cas chez les plus jeunes. Alexandre ? Oui, alors... Oui, le meneur est par essence le relais du coach sur le terrain, parce que c'est lui qui est à l'origine de la création offensive, c'est lui qu'on charge de la montée de balle la plupart du temps. Mais on se rend compte que dans les équipes, il y a cette hiérarchie, elle n'est pas forcément unique, quoi, et que le leadership, tu vas avoir ton joueur intérieur, tu vas avoir peut-être un scoreur, c'est aussi lié à la personnalité du meneur. Mais c'est certain que le meneur a cette personnalité, en tout cas d'organisation, en tout cas de création, qui fait que c'est lui qui dirige le tempo de l'équipe. Donc forcément, il a un rôle de leadership. Alors peut-être pas le leadership comme c'était il y a 10 ans ou il y a 15 ans, parce qu'aujourd'hui, les joueurs on a des panels de joueurs qui sont beaucoup plus importants. Et puis on le voit, les équipes sont construites soit avec des meneurs dominants, soit des meneurs qui sont plus des meneurs relayeurs, des meneurs distributeurs. Donc tu as différentes formes. Je pense qu'aujourd'hui, le leadership, il est partagé, mais il y a une force de caractère, parce que le meneur, déjà, c'est lui qui va impulser le rythme. Et souvent, c'est lui qui défend en premier. C'est le premier qu'on voit défendre aussi sur la balle. Donc, c'est lui qui va donner l'intensité défensive aux autres. Donc, il a un rôle très, très important dans le leadership de l'équipe et dans la dynamique de l'équipe, tant dans son identité, dans le jeu, que offensive et défensive. Merci, Anthony. Ouais, je pense que bon, pour résumer, là, ils ont fait quand même un bon résumé. Je pense que par rapport au leadership, c'est en plus le leadership de plus en plus difficile à avoir. On voit avec ces nouvelles générations, le fait de s'affirmer et l'acceptation de ça aussi, c'est quand même difficile. Je pense que il est moins unique qu'avant. Je rejoins ce qu'il vient de dire, c'est il est moins unique qu'avant et qu'on peut avoir plusieurs leaders sur le terrain. Et de ces profils-là va déterminer peut-être nous aussi le profil de notre meneur. C'est-à-dire si demain on a déjà un leader sur la ligne extérieure et un leader à l'intérieur, est-ce que il faut rajouter un meneur avec un gros leadership, voilà, est-ce qu'on va plutôt prendre un meneur effacé dans le sens leadership, voilà, c'est compliqué. Je pense qu'il y a un peu tous les profils. Après, c'est nous, ce qu'on a envie, avec qui on a envie de bosser sur le poste 1, et en fonction de l'équipe, surtout. Comment elle est configurée. Voilà, après, ça reste, comme il a dit, par défaut, la personne qui met en place au moins le début des plays, c'est le premier à défendre sur le porteur du ballon, bien souvent, qui met le rythme. Donc c'est forcément, il doit être forcément leader quelque part, que ce soit sur la parole ou sur le jeu. D'accord. Merci de ton analyse en tout cas. Vous avez parlé de taille, de différentes tailles pour des meneurs de jeu aujourd'hui. Donc résumons la situation. Aujourd'hui, c'est pas forcément les petits qui vont monter la balle, mais surtout quel type de meneur identifiez-vous aujourd'hui, Alexandre? Quel type de meneur? Il y a plusieurs formes. Hein. Alors c'est vrai que on a des cas exceptionnels, hein, des Tony Kukoč, comme on peut citer il y a quelques années, qui est passé du poste 4 au poste 1, et inversement. Maintenant, je pense qu'il y a le meneur tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire ce joueur qui est capable de monter la balle sous pression, qui est là justement, ce joueur qui assure le tempo. Il y a le meneur qui est plus créateur, qui va avoir une réelle autonomie. Des fois, on mixe ces deux profils-là. Il y a le meneur de bout de chaîne, qui est celui qui met en place et qui est là pour trouver la solution sur la fin de possession. Il y a le meneur relayeur, qui est juste là pour un accélérateur de jeu. Et puis, tu as différents profils qui viennent se mêler à ça, s'imbriquer les uns aux autres. Et puis, on voit aujourd'hui, il y a une multiplicité de formes de meneurs de jeu.
en tout cas pour moi, les habiletés sont en tout cas très très développées. On se retrouve des joueurs qui sont plus dans la passe, on a des meneurs qui sont capables de shooter à 7 mètres, qui sont capables de déclencher très très vite, très très fort, de franchir très très fort, très très vite. Et puis après, les habiletés autour du jeu sans ballon, autour du jeu avec ballon, la gestion de pick and roll. Je pense qu'il y a des meneurs qui sont très très bons dans la gestion du tempo, et d'autres qui sont aussi très très agressifs, en tout cas offensivement, et qui peuvent être des vrais scores, quoi, des forts scores. Et aujourd'hui, quel style de meneur te convient le plus? Ça, c'est une bonne question. J'en ai coaché plusieurs ces dernières années. Et celui que je préfère aujourd'hui, ça va être le 1-2, qui a une grosse dynamique défensive et qui va être celui qui va te régler le problème par moment, où tu vas être capable d'appeler un ou deux plays à un moment, faire ce call-là qu'il te faut, et tu sais que tu vas avoir ton isolation, il va jouer pour lui, et qui est d'un autre côté une capacité à se sacrifier pour les autres, tant offensivement que défensivement. C'est celui-là que je préfère, en tout cas. D'accord. Thierry, quel style de meneur tu identifies et lequel tu préfères aujourd'hui? Moi, celui que je préfère, c'est le meneur gestionnaire par rapport à la rencontre. C'est-à-dire qu'il va analyser un petit peu ce qui se passe en face chez l'adversaire. Bon, pour les catégories un peu plus importantes, notamment des genres U17, U15, U17, quelle défense est mise en place en face? Est-ce que c'est une zone? Est-ce que c'est homme à homme? Est-ce qu'il y a un pressing, etc. Enfin, sentir toutes ces choses-là. Donc c'est un meneur un petit peu coach, quoi, qui est sur le terrain, mais qui est constamment dans l'analyse de tout ce qui va se passer sur le terrain, avec des capacités, comme l'a dit Alex, de conduire le balle assez assez facile, d'être capable aussi de scorer, pour les catégories plus importantes, donc de gérer correctement le jeu à deux de pick and roll. Bon, assez complet, quoi, malgré tout. Mais bon, surtout dans la gestion, quoi, de la rencontre. Est-ce qu'on doit plus vite? Est-ce qu'on doit ralentir le jeu? Ça, c'est des meneurs. C'est un régal d'avoir le top à ce niveau-là. Ok. Et toi, Antoine? Déjà, par rapport à la question de la taille, c'est ça au départ? Ouais, et la question de la taille, et aussi des styles de meneurs que tu décèles. La taille, je pense que il n'y a pas de barrière par rapport à la taille. Il y a surtout des aptitudes que l'on développe, ils l'ont dit mes deux collègues. Après, en fonction effectivement quand même du profil de taille quand même aussi du joueur, on va chercher à exploiter les qualités de ces joueurs-là. Si on a un meneur de grande taille, on sait que on pourra peut-être le faire poster. Toutes les relations au niveau du pick and roll en hauteur, ça va être peut-être un peu plus jouable. Sur les petites tailles, on va être fort dans la capacité à casser les défenses sur les collaborations des pick and roll. Je pense que on va adapter le jeu en fonction du profil et si taille il y a. Voilà, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des meneurs de grande taille qui tiennent le coup, et des meneurs de très petite taille aussi qui font le taf, quoi. Quand on voit le meneur de Dijon, je pense qu'aujourd'hui ça peut décomplexer beaucoup de joueurs de petite taille. Après, effectivement, pour le très haut niveau, si on est vraiment petit, il faut vraiment qu'on soit dans l'excellence quand même pour pouvoir exister, parce que bon, ça reste quand même un sport de plus en plus grand. Oui. Donc voilà, quoi. Après, moi, mon profil, c'est pas évident. C'est vraiment, comme on dit souvent, l'axe 1-5 est déterminant quand on compose une équipe. Le poste de meneur de jeu, il va venir aussi avec. Si j'ai une équipe neuve et que j'ai tous les joueurs que je veux, voilà, mais ça va venir aussi avec les qualités de l'équipe en place. Je pense que je vais choisir mon meneur en fonction de ça, forcément. Si j'ai besoin de percussion, si j'ai besoin d'un poste 1 qui prend ses responsabilités, je vais plutôt chercher ça. Après, moi, le profil que j'aime bien, le combo, c'est plutôt un meneur qui va d'entrée essayer de rassurer.
ça doit venir de mettre en place, de faire les bons choix, comme l'ont dit mes deux collègues, et plutôt un deuxième qui va venir pour mettre du gaz, prendre un peu plus de risques sur une deuxième squad, tu vois, sur une deuxième équipe en sortie de banc. Voilà quoi, mais je préfère, je pense, meneur un petit peu gestionnaire, à droite, trois points, qui joue bien les pick and roll et qui va prendre les bonnes décisions au maximum, quoi. D'accord. Avant de continuer sur les questions qu'on s'est données, on a une question de Philippe. Donc il dit bonjour à tous. Si le meneur peut être le détonateur, il peut décréter aussi le couvre-feu parfois. Trouvez-vous souvent des joueurs ayant les deux qualités ou il faut avoir deux meneurs différents? Anto? Sur le très très haut niveau, je pense que ils ont toutes ces qualités-là. Si on regarde l'Euroleague, des joueurs comme Campazzo, c'est des gens qui sont capables de relancer le jeu très vite, de prendre des risques sur le jeu de relance, sur la montée de balle, et qui après sur le demi-terrain sont capables de mettre en place, de parler aux joueurs, de prendre les bonnes décisions sur les bonnes plays qui marchent bien. Donc c'est possible. Après, sur des niveaux un peu plus bas, intermédiaires, c'est un peu plus compliqué. Je pense que il faut essayer plutôt d'associer les complémentarités en fonction de ça. Thierry, un avis sur cette question ? Oui, ben moi je suis un petit peu comme Anto, ouais. C'est-à-dire que au plus le niveau va augmenter, au plus l'exigence est plus importante. Donc du coup, oui, à haut niveau, ben ils sont capables de faire les deux choses. Maintenant, on a les niveaux moindres. Bon, c'est sûr que un meneur complet, c'est un petit peu la denrée rare. Hein. C'est un petit peu ce que recherchent tous les coachs, hein. Quand tu construis ton équipe, tu veux ce meneur-là. Et c'est dur à trouver. Comme c'est dur de trouver des intérieurs, quoi. Tout le monde recherche des 5 et des 1 performants, quoi. Donc c'est un petit peu en fonction du niveau. Les très bons meneurs, ben ils sont au niveau au-dessus, et pas au niveau. Maintenant dans la formation, ben à nous de leur inculquer ces différentes façons de d'évoluer sur le terrain, parce que malgré tout, bon, ben ça rentre quand même dans notre rôle nous de coach, d'essayer de former au mieux ces joueurs-là, quoi. Alexandre, un avis là-dessus ? Ouais, je pense que tout a quasiment été dit, hein. Si on prend l'exemple de Dijon, à haut niveau, ils ont deux meneurs qui ont des profils complètement différents et qui sont parfaitement complémentaires. Et quand on regarde de haut niveau, c'est ça, hein. Mine de rien, on va mettre de côté la NBA, parce que la NBA, souvent, tu as le franchise player ou tu as un joueur sur le poste 1 qui est vraiment énorme, et puis tu as un backup. Après, quand tu descends de niveau, il y a aussi un problème d'argent. Et forcément, tu n'as pas forcément la possibilité d'avoir des meneurs de cet acabit. Donc, c'est vrai que tu cherches la perle rare qui va être capable d'avoir le plus d'aspect positif, tant dans l'aspect couvre-feu que dans l'aspect gestionnaire et rythme, en tout cas. Et après, sur l'aspect formation et tout ce qui est U18, U15, oui, comme l'a très bien dit, ils l'ont très bien dit précédemment, c'est de la formation, c'est du travail, et tu essaies de leur donner le maximum d'armes pour qu'ils aient cette capacité à gérer le plus de choses possible. D'accord, merci. En tout cas, bonjour à Philippe, et merci de nous suivre à nouveau. Quand tout à l'heure vous parliez de combo, quel combo identifiez-vous et qu'est-ce que le combo guard ? Alexandre ? Le combo, là, le combo, c'est ce joueur-là qui est un peu capable de passer du 1 au 2, du 2 au 1, qui a cet aspect, à mon sens, en tout cas, scoreur, parce que c'est ce qui détermine un petit peu la différence, hein, qui est par moments moins gestionnaire et un peu plus créateur, dans le sens créateur pour lui et finisseur, en tout cas, dans l'agressivité. Hein. On peut parler d'arrière aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des équipes jouer avec deux arrières ou alors un meneur et un arrière, un combo, ou des fois deux arrières ensemble. Et quel profil on peut donner ? On peut prendre Westbrook. Moi, je pense que Westbrook, pour moi, c'est un bel exemple. En tout cas, parce que c'est pas le 1 à la Magic Johnson. Ça se ressemble souvent à un 2, en tout cas dans l'agressivité balle en main et dans la volonté de jouer les duels. Ces joueurs-là qui ont une dimension aussi athlétique un peu différente, qui est peut-être moins au sol et qui est beaucoup plus aérien et qui va
peut-être un peu plus dense, en tout cas balle en main dans l'agressivité, et moins gestionnaire, en tout cas on trouvera à mon sens moins cette qualité de gestion chez lui, mais plus cette qualité de finisseur et de franchisseur et d'energizer en tout cas. Anto? Ouais, c'est bon, il a bien résumé. Après, je pense que sur le poste de combo, c'est effectivement détecter ce poste 2 qu'a cette maturité à pouvoir évoluer sur quelques minutes sur le poste 1 dans l'organisation, dans tout ça, et ce poste 1 à pouvoir peut-être être un peu plus libre sur le poste 2, à prendre un peu plus de responsabilités et voilà, et avoir ces profils-là qui peuvent dépanner à un moment ou à l'autre. Après, on est quand même sur une tendance à jouer beaucoup avec même deux meneurs, je dirais, pire que des combos. On a vu beaucoup sur la saison, notamment l'ASVEL là, qui l'a fait pas mal. Monaco aussi avec Norris Cole et Dibost. Voilà, où on joue actuellement avec ces deux meneurs parce que, comme on l'a dit dans la question précédemment, c'est difficile d'avoir tout dans le bagage. Donc maintenant, on s'aperçoit que on fait jouer les deux meneurs avec leurs qualités, comme ça, ça nous fait un bon package. Donc, je pense qu'on est sur cette tendance-là. Et elle est un peu plus polyvalente qu'avant. Avant, le combo, c'était vraiment celui, par exemple, le poste 2 qui pouvait un peu dépanner quelques minutes. Maintenant, on est vraiment sur un poste 1-2 où ça peut aller et venir. Suivant les profils et les responsabilités, quoi. En fait, l'idée, c'est vraiment d'associer les qualités des joueurs, quoi, vraiment. Ok. Thierry? Oui, ils ont bien résumé la question, hein, mais les défenses sont de plus en plus agressives, de plus en plus performantes. Et du coup, comme dit Anto, c'est important d'avoir la complémentarité de deux joueurs sur le terrain pour monter le ballon, pour réussir à scorer. Donc c'est sûr que ce combo il est nécessaire aussi dans le groupe. Moi j'en ai eu même chez les jeunes, hein, des joueurs un petit peu de ce type là. Bon, je peux citer Louis Lesmond par exemple, qui faisait très bien ces choses là, c'est-à-dire que c'était pas le meneur réel, mais en cas de difficulté, il était là, prêt à donner un coup de main. J'ai eu Hugo Besson aussi. Alors lui, c'était combo shooter, très très à l'aise sur la montée de balle et puis scoreur, quoi. Donc c'est les deux jeunes là qui moi me ont le plus marqué sur la formation du joueur depuis que j'entraîne dans ces catégories là de jeunes. D'accord. Comment vous contrôlez, quand vous apprenez à contrôler le tempo à vos meneurs, alors du plus jeune jusqu'au joueur de haut niveau? Alexandre? Contrôler le tempo. Alors, je pense que c'est vraiment la composante qui est la plus difficile, mais en tout cas la plus particulière. C'est-à-dire que déjà, on va partir chez les jeunes, c'est arriver à réguler, arriver à appréhender le jeu. Après, c'est ce que disait Thierry précédemment sur une autre question, c'est aussi savoir quand est-ce qu'on peut jouer, quand est-ce qu'on peut pas jouer, quand est-ce qu'on est sur le demi-terrain, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on laisse pas, quand est-ce qu'on s'arrête sur la transition, et arriver à appréhender aussi le passage, cette transition, le fait de transiter. Donc le surnombre offensif, l'égalité offensive, le 5-5, à mettre quelque chose en place, et arriver à détecter les indicateurs, en tout cas, et les lectures. Des fois, tu es dans une phase où offensive aussi, tu te retrouves à 4+5 contre 5, c'est-à-dire que la défense est déjà positionnée, mais déjà, qui est dans le repli, mais un peu à gare, et puis tu as ce trailer qui arrive et qui va venir prendre le bon espace au bon moment, et le meneur qui fait cette passe, et pourtant, il arrive avec un peu de retard. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle, c'est le jeu qui apporte ces solutions-là, il y a des clés, il y a des leviers, mais c'est à force de jouer des situations, les identifier, les appréhender. Et après, on est tous différents dans notre philosophie. Il n'y a pas de pour venir après à ce qui est sur les équipes seniors. On a tous des philosophies différentes. Il y en a qui vont jouer sur les transitions, il y en a qui vont refuser les transitions, qui vont dire 2 contre 1, on joue, 3 contre 2, on joue pas, on arrête, balle au meneur, on met en place. Donc, c'est aussi lié à la personnalité du coach.
Aujourd'hui, tu regardes l'Euroleague, combien il y a de contre-attaques en Euroleague? On joue quasiment sur du demi-terrain, les joueurs sont tellement forts dans les replis qu'on est dans l'organisationnel, dans le décalage. Il y a de la contre-attaque, mais ça reste quand même plus faible que ce qu'on voit autour, quoi. Donc, il y a aussi cette gestion des tempos et aussi des moments clés. C'est-à-dire des lectures sur le repli, sur les décalages qui se créent. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pick and roll dès le début de la phase de transition, hein, quand on arrive directement sur le 5-5, souvent avec le meneur ou avec l'arrière, justement, où ça crée des décalages très tôt. Donc, il faut leur apprendre à identifier les situations, qu'ils aient un maximum de situations, qu'ils en dégagent eux-mêmes leurs propres critiques et qu'ils développent leur lecture par rapport à ces incertitudes. Ce serait trop facile si on a... Alors, à l'entraînement, en parlant de ces situations, à l'entraînement, est-ce que tu incorpores ces situations sur du 5 contre 5, du 4 contre 4, ou plutôt tu joues sur du jeu réduit pour contrôler ces situations-là ? Le tempo, tu le gères constamment. C'est-à-dire, dès que tu es en 3 contre 3, tu as du tempo à gérer suivant comment tu travailles. Donc, moi, je travaille tout le temps sur les lectures. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus, c'est là où le joueur va avoir sa plus forte marge de progression et ce qui est le plus... on va dire le moins facile à quantifier. Le travail technique, tu peux l'évaluer, tu peux le quantifier. Le travail de lecture et d'évolution technique autour de ça et la gestion des tempos, moi, je le travaille tout le temps. Après, quand j'avais le centre de formation, on passait énormément de temps sur du 3 contre 3 en yo-yo, 4 contre 4, sur justement l'identification des tempos. Hein. Et après, sur le 5 contre 5, de toute façon, c'est naturel. Puisque bah, tu es des phases de transition, tu transites de toute façon d'attaque à la défense, de la défense à l'attaque constamment. Donc, tu identifies des situations. D'accord, merci. Thierry ? Oui, bah, dans la formation du joueur, en tout cas, les prérogatives fédérales n'attendent pas vers la gestion du tempo. C'est surtout se relancer très vite vers l'avant. Et les règles ont été adaptées par rapport à ça, puisqu'on ne touche plus le ballon au niveau des arbitres en zone arrière pour accélérer le jeu. Donc, ce qu'on va leur demander dans la formation, c'est d'accélérer le jeu, de prendre le ballon et de relancer très vite vers l'avant. Même souvent, on demande aux meneurs de lâcher le ballon avant la ligne médiane pour accélérer le jeu. Et bon, cette règle est implantée jusqu'en U15, donc, et même les équipes élites. Donc, on voit un petit peu la tendance fédérale qui va conseiller d'avoir une relance très rapide. Après la gestion du tempo, j'ai assisté à quelques matchs U15 élites cette saison. Elle n'existe pas trop, cette gestion du tempo. C'est beaucoup de vitesse dans le jeu, hein, ça va, il y a pas trop de gestion des moments, et peut-être que c'est adapté par rapport aux règles qui sont aux règles fédérales qui sont imposées. Anto ? Ouais, Thierry a raison de souligner ça parce que c'est important, ça fait partie quand même des consignes fédérales d'aller très vite maintenant, et c'est mis en place. Je pense que c'est difficile de retenir, et puis c'est plus difficile de contrôler pour après lâcher. Vaut mieux plutôt lâcher et revenir à contrôler. C'est vrai que c'est difficile. Après, comme il a dit, c'est mettre des situations et des repères pour pouvoir aussi identifier à quel moment on peut aussi un peu ralentir la balle et pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est tout un travail d'entraînement, mais je pense qu'aussi le contrôle du tempo, il vient avec aussi la maturité, avec la connaissance que tu prends au fur et à mesure des années pour pouvoir développer ce QI basket, cette volonté de pouvoir un petit peu plus contrôler le jeu. Après, en senior, c'est difficile de vouloir y contrôler et laisser la place à la liberté. C'est toujours un débat compliqué avec les joueurs. C'est pas évident. C'est pas évident quand est-ce que je contrôle, quand est-ce que je laisse la liberté, même si on met les plays en place, qu'on décortique et qu'on explique pourquoi et comment chaque mouvement est fait, mais c'est pas évident entre le contrôle. Je pense que ça appartient aussi aux joueurs quand même beaucoup.
et au profil de ton équipe aussi, pas que à la mentalité du coach, mais aussi au profil de l'équipe, parce qu'on récupère pas que des équipes qu'on veut, hein, on récupère aussi des équipes sur le tard, donc ça va dépendre. Je pense que il faut arriver à, avec le profil de l'équipe, à trouver des moments de contrôle et des moments de feu. comment est-ce que à l'entraînement tu le mets en place? Comment tu le matérialises, ce contrôle? Comme il a dit, après ça peut être sous forme de règles préétablies, c'est-à-dire que tout ce qui est 2 contre 1, 3 contre 1, on joue. Ou personne dans la raquette, par exemple sur le repli, on peut jouer. Du moment où la raquette est bloquée, qu'on n'a pas pu renverser. Enfin, ça peut être des différents critères sur le jeu de relance et la transition offensive qui peuvent nous permettre de dire à ce moment-là, vaut mieux reprendre le ballon et enchaîner sur une motion ou sur une transition que plutôt sur le jeu de relance. Après, sur la partie contrôle, je pense que c'est comme ça vient après, il faut continuer sur les aptitudes, travail individuel, autour des qualités, autour du pick and roll, autour des petites passes, du développement individuel. Thierry, quelque chose à ajouter vis-à-vis de ça? Oui, par rapport au travail, moi ce que j'aime bien mettre en place sur pour essayer de travailler prise de décision du meneur de calmer le jeu ou au contraire accélérer le jeu, c'est d'augmenter la difficulté avec la présence du nombre de défenseurs, c'est-à-dire qu'on soit sur qu'on joue à 3, à 4 ou à 5, partir sur du 3 contre 0 ou du 4 contre 0 ou 5 contre 0 et au fur et à mesure du jeu augmenter le nombre de défenseurs et on va voir que on va jouer très vite lorsqu'il y aura une infériorité numérique de la défense importante et qu'au plus il y aura de défenseurs, au moins on va avoir ce jeu rapide et donc au meneur à gérer un petit peu cette situation-là. D'accord. À l'heure du jeu rapide, aujourd'hui on est en train de se calquer sur j'oserais dire le style un peu Golden State où on est plutôt sur beaucoup de courses et très peu de contrôle. Est-ce que vous pensez que le type de meneur est en train d'évoluer justement à cause du jeu rapide ou est-ce que c'est une évolution normale du basket actuel? Anto? Après le jeu de relance, le jeu rapide, ça veut pas dire n'importe quoi non plus. On peut relancer le jeu, avoir un gros pourcentage de notre jeu global sur le jeu de relance et tout ça, mais qui est aussi contrôlé sur des spots bien définis, des principes de bien établis. Donc, je pense pas que même quand si on prend l'exemple de l'NBA, les gars ne relancent le jeu puisque c'est beaucoup le jeu de relance, ne font pas n'importe quoi non plus. Ils occupent des spots bien définis en fonction de leur qualité, de leur profil, pour laisser les espaces pour les gens qui vont s'exprimer là-dedans. Et voilà, donc ça ne veut pas dire jeu de relance, et ça ne veut pas dire forcément pas de contrôle. Et je pense que justement, la difficulté maintenant, encore plus qu'avant, c'est justement que le meneur de jeu doit être en capacité de jouer vite, de relancer, mais aussi quelque part d'avoir un œil sur le contrôle et sur l'organisation qui se met en place. Donc ça lui fait beaucoup de données encore plus importantes, je pense. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'un meneur à l'ancienne du style Magic Johnson arriverait à s'exprimer? Alors, évidemment, on ne remet pas en cause son talent, hein, loin de là, mais est-ce qu'il arriverait à s'exprimer aussi bien dans le basket d'aujourd'hui que le basket de l'époque? Bon, Magic Johnson, c'est un peu... C'est un faux exemple, parce qu'il jouait, il faisait des passes dans le mouvement, dans le dribble, il était déjà en avance, le gars. Donc, si on prend un autre exemple, on va dire Laurent Ciara, par exemple. Tu vois. Par exemple. Est-ce que Laurent Ciara pourrait... C'est de plus en plus compliqué, ouais. C'est de plus en plus compliqué. Peut-être sur un poste à ce moment-là. Après, ça dépend encore de sa philosophie, de son équipe, mais peut-être plus sur un poste de backup où on va en avoir besoin
pour des fins de carton, des fins de match, pour pouvoir vraiment jouer sous contrôle, vraiment. Après, il y a encore la place pour ces meneurs-là, hein, mais je pense que de par la formation, de par tout ça, on en trouve de moins en moins aussi, quoi. Sur okay. le haut niveau, quoi. Ok, Thierry ? Ouais, moi je trouve que c'est bien dommage qu'on ne retrouve pas ces joueurs-là. Bon, après, je suis peut-être un ancien, on va dire, dans toute la formation, mais les joueurs que tu as cités, que ce soit Laurent Sierra, il pourrait évoluer sans aucun problème. Mais c'est un joueur super intelligent qui va s'adapter à toute l'évolution, on va dire, du basket. Donc, oui, moi je signe de suite, en tout cas, pour avoir un Laurent Sierra dans mes joueurs. Sans aucun problème. Alex ? Ouais, bah pour revenir à la question de base sur l'histoire du jeu rapide et celle d'avant, parce qu'en fait, la gestion du tempo, c'est aussi de comment tu veux le jouer, le tempo. Tu peux choisir d'être toujours en up-tempo. Il y a une très bonne, une superbe intervention de Guillaume Vizade là, qui est repassé là, il y a quelques temps, enfin il y a deux jours là sur justement le jeu de tempo. Ouais, gérer le tempo pour le meneur, ça peut être aussi dire à ton meneur, c'est moi je veux du tempo tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire toujours aller très vite, toujours aller très vite. Et le défi, ça va être faire les choses très vite et très bien. C'est la grande difficulté. Tu parlais de la NBA. Ouais, mais la NBA, les gars, ils transitent à une vitesse de dingue et ils font les choses très bien. Et en fait, rien n'est aléatoire. Tout est prévu. C'est-à-dire, tel joueur est à tel endroit, on va jouer ça, et ils ont des playbooks de 60-80 systèmes, et même sur les transitions offensives. Pour avoir vu l'équipe américaine, quand ils sont féminines, quand ils sont venus à Antibes, c'est impressionnant la vitesse à laquelle elles transitent. Mais la capacité à transiter, ça ne fait que courir tout le temps, et juste. Donc en fait, la gestion des tempos, elle est liée aussi à ta philosophie. C'est ce que tu disais précédemment, hein. Up tempo, pas up tempo, et les moments de calme. Après, pour revenir à l'idée que le jeu rapide, aujourd'hui, les chiffres ont dû changer, parce que moi aussi je suis de la vieille école, mais normalement c'est 80% de réussite dans les 8 premières secondes en tout cas. Donc si tu vas tirer dans les 8 premières secondes, tu as quand même 80% de réussite. Donc si tu transites vite et que tu shoots vite, bah, sur 10 tirs que tu vas prendre, tu devrais en mettre 8. Donc, tu as marqué 16 points et tu t'es pas fatigué longtemps, puisque, bon, alors d'un autre côté, tu n'as pas fatigué l'adversaire longtemps non plus, il a défendu moins de 8 secondes. 8 secondes. Mais d'un autre côté, tu as joué en 8 secondes. Donc, les meneurs, comme Laurent Sierra, pour revenir à lui, je pense qu'aujourd'hui, ils ont leur place. Moi, j'ai à l'époque des sélections avec M. Petitot. Il y avait Axel Julien. Et Christian, à l'époque, il savait qu'il allait être joueur de haut niveau. Et moi, j'étais jeune entraîneur, et puis je ne le savais pas. Mais lui, il le savait. Et il parlait d'Axel Julien, il dit, il jouera en proie. Et quand tu regardais Axel, toi, tu l'as vu à cette époque-là, je pense, Thierry, il avait 13 ans. Et tu regardais Axel, entre Axel aujourd'hui et Axel à 13 ans, c'est pas exactement la même chose. Mais il avait ce truc-là différent des autres. Et il y avait des meneurs qui étaient beaucoup plus près que lui, et tu connais mieux le VAR que moi, en tout cas, ces joueurs-là, tu dois t'en souvenir, qui étaient plus près que lui techniquement, tactiquement peut-être. Mais il y avait ce quelque chose en plus. Et aujourd'hui, des Laurent Sierra, c'est des joueurs qui aujourd'hui existeraient. Mais dans une équipe où on lui donnerait un autre rôle, peut-être, et effectivement, il arrivera à faire jouer vite les équipes. Parce que la passe au-dessus de la tête, c'est lui qui l'a quasiment inventé. Hein. La balle au-dessus de la tête et les passes à deux mains au-dessus de la tête, aujourd'hui, tout le monde le fait, mais c'est lui qui l'a faite. En tout cas, dans les premiers. Donc aujourd'hui, oui, les qualités athlétiques se sont développées sur le meneur de jeu. On a des athlètes de 2 mètres, de 2,05 mètres qui montent au cercle, qui font des trucs de dingue. Mais mine de rien, la technique, ça reste la technique. Et un joueur qui est au sol et qui est très fort balle en main, bah, il sera capable de jouer. D'accord. Ok, merci pour vos avis en tout cas. C'est passionnant. La question suivante, c'est pensez-vous que le poste 1 aujourd'hui, aujourd'hui ou même à l'époque, hein, peu importe, est le poste le plus dur à jouer au basket et pourquoi ? Thierry ? C'est difficile à dire que ce soit le plus dur à jouer. En matière de, moi je suis toujours dans la gestion et compagnie. Là oui, parce que c'est lui qui c'est le chef d'orchestre quoi sur le terrain. Hein, c'est lui qui va mettre le tempo, c'est lui qui va regarder la présence d'un mismatch par exemple sur le terrain. Enfin tout ce qui est d'analyse, c'est lui. Donc et c'est pas des qualités techniques, c'est plus des connaissances, le basket, la culture basket,
à ce poste-là. Et c'est des choses qui sont, pour moi, le moins facile à transmettre. Mais on ne peut pas dire que ce soit le plus difficile. Quand tu vas jouer près du panier, ça va être, il va y avoir aussi des difficultés à travailler, dos au panier, face au panier, avec l'évolution à ce poste des intérieurs. C'est aussi difficile. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le poste le plus difficile. C'est un des plus importants pour moi, mais le plus difficile, non, je pense pas. Tous les postes sont difficiles sur le terrain. On ne peut pas dire que le poste meneur, c'est la difficulté sur le terrain. Anto, tu partages cette analyse? C'est vrai que c'est un des deux postes. Je pense que quand même, si c'est pas le plus difficile, c'est en tout cas un des plus exigeants et un des plus à qui on laisse le moins de chance aussi, puisque on le voit, il est beaucoup présent, donc il est aussi mis. Enfin, on voit souvent les premiers joueurs qui sont coupés par les grosses équipes ou quoi, c'est souvent les meneurs de jeu parce qu'ils correspondent pas au profil, parce que ça veut dire aussi que c'est quand même un drôle de métier. Donc qu'est-ce que c'est le plus dur à jouer? Je pense que c'est le plus dur, hein. C'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est le plus exigeant mentalement, physiquement, c'est techniquement, ouais. Techniquement, il y a beaucoup de, après voilà, en tout cas, je pense que c'est, ouais, c'est pour moi c'est le plus compliqué. Ouais. Alex, tu partages l'analyse plutôt de Thierry ou plutôt d'Anto? Moi, je vais me situer entre les deux parce que je pense qu'ils ont raison les deux. Le plus dur par rapport à quoi déjà? Est-ce que c'est le plus dur à jouer pour s'exprimer et être bon, ou le plus dur à appréhender en tant que joueur? Alors, c'est très compliqué pour un meneur d'être bon techniquement, parce que c'est vrai qu'il doit gérer, comme l'a très bien dit Thierry, le rythme, la technique individuelle, l'habileté avec le ballon. Faut pas oublier qu'il est tout le temps sous pression, donc il doit exercer les choses sous pression. Mais le joueur intérieur, on oublie un petit peu que le joueur intérieur, quand il fait 2 mètres et qu'en face de lui, ça fait 2 mètres 5, 2 mètres 10, les tampons, il faut les prendre, hein. La dimension physique, il faut aller trouver le tir crochet, il faut aller voir le petit tir, il faut aller trouver aussi la vitesse d'appui pour aller défier son vis-à-vis. Après, il ne faut pas mésestimer le travail des postes 3 et des postes 2 aussi, hein, sur les lectures, sur les pics, sur les attrapés-tirés. Donc, c'est un poste qui est le plus dur à jouer parce que tu es sous pression 40 minutes, quoi. Si tu joues, tu as un meneur où tout le temps que tu es sur le terrain, la plupart du temps, tu vas être sous pression défensive. Si t'es bon et que t'es scouté, ça va être dur sur toi, vraiment dur. Alors sur les équipes de jeunes, c'est particulier, on va dire sur les U15, on disait il y a une spécialisation, mais tout le monde, il y a les combos, il y a des joueurs qui sont capables de monter la balle, il y a plein de choses. Mais à haut niveau, le joueur il est sous pression, il a les clés de la maison et donc il est dur à jouer ce poste parce que tu dois assumer tes responsabilités. Quand tu perds la première passe, quand ta première balle elle est perdue, l'attaque elle est finie. Donc qui c'est qui a perdu la balle? Ouais. Voilà, est-ce que c'est celui qui l'a reçu ou celui qui l'a donné? Un problème de la balle perdue. Donc, c'est un poste qui est très exigeant. C'est là où je rejoins aussi mon collègue. C'est que c'est un poste qui est très, très exigeant. Mais quel est le poste aujourd'hui qui n'est pas exigeant techniquement? Aujourd'hui, je pense que les habiletés et les compétences sont différentes, en tout cas, ce qu'on va attendre. Mais je pense qu'ils sont tous exigeants. Et le plus dur à jouer, ça reste un meneur. Dans la pression défensive aujourd'hui, dans le basket moderne, où tu as de la pression pendant 40 minutes. Mais après, si tu regardes à haut niveau, est-ce qu'il y a vraiment de pression tout terrain tout le temps? Tu regardes de l'Euroleague, il y a de la pression, mais les meneurs sont tellement forts techniquement que des fois, on est obligé déjà d'anticiper et ils laissent 2-3 mètres pour te contenir. Donc, c'est là où je rejoins Thierry et je pense que c'est aussi compliqué d'être un poste 5 par moment et même très compliqué, quoi. Ouais. Avant la conclusion, justement, on va transiter. Ah, vas-y, Anto, dis-moi. Ouais, juste, je voulais rajouter, c'est sûr, mais alors, moi, je trouve aussi que le poste de meneur, tu as la pression de l'adversaire, mais tu as la pression de tout le monde. Tu as la pression de tes coéquipiers qui attendent que tu annonces la bonne play, soit pour eux, soit pour débloquer quelque chose. Tu as la pression du coach. C'est vraiment. C'est pas qu'une pression de terrain, c'est vraiment. Tout est dur. C'est sûr, tous les postes sont difficiles, mais lui, il doit réfléchir, il doit penser, il doit regarder, il doit gérer.
Pour ça, Faut... après, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais quand tu penses le play, la plupart du temps, les plays sont appelés par le coach. Je regarde souvent, c'est les coachs, on est les premiers à avoir le meneur qui nous regarde, on dit qu'est-ce qu'on joue là? Qu'est-ce qu'on va jouer cette fois-ci? Et puis la balle, elle arrive dans les mains du grand qui fait 2-10, puis tu n'as pas vu, mais l'autre, il fait 2 mètres, allez, on va dire 2 mètres et 1,90, il s'est fait bouger à la hanche, en fait, et puis le ballon, il l'attrape pas comme il faut et il sort en touche. Et souvent, le grand, dans ce cas-là, il prend une rincée parce que il avait le ballon, le caviar. Après, tu as raison, tu as tout à fait raison. Tu es sous le feu des projecteurs. C'est toi qui as la balle sur la montée de balle. C'est toi qui as souvent le plus longtemps la balle en main, mine de rien. Hein, parce que déjà, généralement, les 6 premières secondes, c'est pour toi. Et si tu es joueur de bout de chaîne, les 3-4 dernières secondes de la possession, c'est pour toi. Donc 10 secondes sur 24, c'est déjà énorme. Donc oui, c'est certain que je pense que psychologiquement, c'est le poste le plus dur à jouer. Et techniquement, sur les habiletés, mais c'est mon avis. Après, je pense que sur d'autres composantes, l'intérieur va avoir des choses beaucoup plus complexes sur la vitesse d'appui, Oui. et puis avec le morphotype. C'est ce qui va nous permettre justement de passer à la transition pour le live suivant, avant les conclusions. C'est aujourd'hui, pour vous, alors on sort du contexte du poste 1, on va aller sur le poste 4-5 puisqu'on en parle. Aujourd'hui, comment voyez-vous le poste 4-5 s'exprimer dans le basket d'aujourd'hui? Quel style d'intérieur vous voyez et comment vous allez pouvoir l'utiliser dans le basket d'aujourd'hui? Thierry? Bah, les intérieurs modernes, ils savent tout faire maintenant, alors qu'avant ils étaient spécifiques. C'était spécifique d'avoir un rôle dans la raquette. Maintenant, ils s'écartent de plus en plus. Donc, dans le basket moderne, quels sont les intérieurs qui tirent pas à 3 points, qui s'écartent pas pour tirer à 3 points. Donc, l'éventail technique du rôle des joueurs 4-5, il s'est agrandi énormément, quoi. Ils savent faire beaucoup plus de choses qu'avant, techniquement, sans ballon, avec ballon. Voilà, ça a évolué énormément, ce poste-là. Ils sont même capables, on leur demande même des fois de monter le ballon, hein, c'est-à-dire d'amener le ballon le plus vite possible en zone avant. Ils ont un rebond, pas forcé de sortir le ballon sur le meneur. C'est je prends le ballon et je me projette vers l'avant le plus vite rapidement possible. Et s'il faut faire 2, 3 dribbles avant de donner mon ballon, ben je dois être capable de faire ça. Et ça c'est plus dans toutes les catégories, que ce soit au niveau ou chez les jeunes dans l'apprentissage. On le cantonne pas dans la raquette, là, à jouer près du panier et dos au panier. Et défendre son duel physique, en un contre un. Anto, un avis? Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, les intérieurs sont complets, polyvalents. Je pense que après, il reste encore des profils. Tout le monde n'est pas encore comme ça, Merci Thierry. Anto, tu as un avis par rapport à cette question? Allez, décalage. Oui, il était en train de De répondre. répondre, ouais. Non, mais voilà, ça dépendra du profil, mais je pense aussi qu'il y a certains profils qu'on ne voit plus trop qui pourraient exister au même titre que Sierra sur les postes d'intérieur, tu vois, c'est compliqué. C'est bon? C'est en train de nous lâcher là, on s'entend plus trop bien là. C'est toi qu'on n'entend plus. Ah, moi Ouais, j'entends c'est ça. plus bien. Ouais. Alors, est-ce qu'Alex on t'a, Anto on t'a? Ouais, moi c'est bon. Ouais. Ok, Thierry c'est bon, on t'a Oui, aussi, Anto c'est nickel, bon. nickel. Nickel. C'est bon. Bah c'est les aléas, malheureusement. Malheureusement, un peu de la visioconférence. Et je pense qu'il nous entend plus là. Donc, c'est bon. Ouais, je crois, Okay. je crois que Alors, si. on a une question de Philippe concernant l'exigence autour du poste 1. Ne vient-elle pas de la prise Ouais, de... j'ai pas la fin. J'ai pas la fin non Ah, plus. excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Il y a eu un bug, un truc. Ouais. Répète la question. Alors. Ok, alors Philippe nous dit l'exigence autour du poste 1 ne vient-elle pas de la prise de décision qui va impliquer toute l'équipe? Alex, tu laisses y répondre?
Ouais, je peux répondre au 4-5 avant ou non? Si je suis pas intervenu sur le L'exigence autour 4-5, du non, poste 1 ne vient c'était peut-être pas de la prise de décision qui va impliquer toute l'équipe. une. Oui, bien sûr, il a totalement raison, Philippe. Alex, j'essaie de te laisser répondre. Ouais, il a tout à fait raison. La prise de décision, c'est la clé de voûte, en tout cas, de la dimension du poste 1, Ah. puisque de sa décision, ben, tout est impacté, quoi. Est-ce qu'il et sa lecture donne la dimension de l'équipe, en fait, hein. Plus tu as un poste 1 qui est fort dans les lectures et il fait des bons choix, ben, plus ton équipe elle va être performante. On a perdu le maître de cérémonie. Il est parti. Ça ne lui plaisait pas, la réponse. Un petit problème de connexion. Ouais. Et je voulais revenir sur l'histoire du 4-5, mine de rien. Parce que le Vas-y. problème, c'est qu'aujourd'hui, des fois, on a un 4 et est-ce qu'il faudrait peut-être différencier le 4 et le 4-5? Parce qu'on a des 4 qui sont pure 4, quoi, qui ne sont pas du tout dans les post-ups et qui sont dans les pop, quoi. Comme tu disais, Thierry, qui sont capables de tirer et également de driver, de monter la balle, quoi. Et puis le 4-5 qui est dans le post-up, quoi, la piètre russe, quoi, qui est dans la dureté et qui va être vraiment dans les post-ups, quoi. Donc c'est complexe, hein. Il revient le flow. Bon, allez. Non, la pire. Ouais. Oh, ben, Il faut qu'il conclue, c'est pour ça, fallait conclure. non, mais il faut que vous répondiez à la question de Philippe, surtout. Allez, Thierry. Vas-y, Thierry. Ben oui, ben moi je trouve que tu as bien répondu, Alex. Oui, bien sûr que c'est le. Je suis d'accord avec ça, hein. Philippe a complètement raison. Ok, nickel, nickel. Alex, Retrouver. Alex, t'as pu répondre à la question 4-5 ou pas, toi? Oui. Bah maintenant, oui, on a pris en aparté. Donc Thierry Bon, a parfait. répondu à la question de Philippe et on attendait la dernière réponse avec impatience. C'est à toi. C'était à qui? C'est à moi? C'est à qui la réponse à Non. donner? Ben non. Anto. À Anto. Anto, vas-y, Anto, excuse-moi. C'était quoi la question? Vas-y, redis. L'exigence autour du poste 1 ne vient-elle pas de la prise de décision qui va impliquer toute l'équipe? Ah bah si, 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 si. Si, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord avec Philippe. Bon, Fifi, apparemment, est tous d'accord avec toi, donc c'est génial. Bonne question. On a un message de Guillaume, Uner, Titi, Alex et moi. Prenez soin de vous, les amis. La bise, Flo, Thierry et Alex. Évidemment, il passe le bonjour à Anto. Évidemment. Voilà. Et Philippe nous donne un petit commentaire également. Il dit bravo les amis, vous avez été juste. Bon apéro avec Flo, bonne soirée, prenez soin de vous. C'est Ah, gentil, merci. Ça marche. Voilà. Ça marche. Donc Un merci petit Fifi bonjour à aussi. Guillaume, hein, Guillaume. Bonjour à Ouais, Guillaume. bonjour Guillaume. Bonjour à Guillaume, bonjour à Fifi, voilà. Avant de terminer le live, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Si on devait retirer cinq choses essentielles sur le poste 1, quelles seraient-elles à votre avis? Anto? Si, 5, Si 5. tu devais retirer cinq choses essentielles pour le poste 1, quelle qualité, quelle exigence, voilà. Important, important, Oui, d'important, oui. intelligent, décisif, leader et après, je sais pas, je te laisse le dernier. Peut-être que 5, c'était beaucoup alors. De la lecture, beaucoup Ouais, plus. lecture de jeu, c'est ce que j'aurais dit, Voilà. la lecture de jeu. La lecture de jeu. Et donc, Titi, tu as le premier, donc lecture de jeu et les quatre autres pour toi. Ouais, ben, intelligence, moi je l'aurais dit aussi, gestionnaire, et qualité de la passe quand même, parce que bon, avant tout, le meneur, il doit être capable de caviardiser, comme je dirais, ses partenaires, faire briller aussi ses partenaires. Voilà, il doit pas briller que lui, il faut qu'il soit capable de faire briller aussi les autres. Et la ligne de stats, ben, souvent, ça peut être lié à la qualité du chef d'orchestre sur le terrain, quoi, là, qui est lié aux qualités du meneur de jeu. Avant d'avoir la conclusion d'Alex, on a eu deux petites remarques. Guillaume, donc, qui dit oui, bien sûr, en auto aussi, le bonjour et la bise. Et on a un message de Jus.
canon. Donc, bon, bah, c'est le jeu de mots, apparemment. Très intéressant. Merci pour cette session dans une bonne ambiance. Merci. Merci, Jus. Canon. Voilà. Et maintenant, on peut passer à la conclusion d'Alex. Les habiletés. Habiletés avec ballon, donc dribble et passe, vraiment sur les points forts. Bien sûr, la prise de décision. Il y a un point qui est hyper important, c'est, à mon avis, c'est positif. Je pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un de positif à ce poste-là. Parce que, quelque part, il faut que tu aies quelqu'un de positif, parce qu'une équipe aussi, elle a besoin de positif. Et quand ça va, tu es dans le dur, et ben, tu as besoin qu'il y ait quelqu'un qui remette tout le monde un petit peu en avant et qui redonne du positif et remette de l'allant, justement. Et je pense que c'est un point important pour lui, en tout cas. De l'ego, parce que c'est rare d'avoir un meneur sans ego, en tout cas, et je dirais de l'ego et de l'aura dans le bon sens du terme, qu'il a une aura sur l'équipe et de l'ego, il faut qu'il ait une emprise importante. Et pour terminer, sacrifice, quelqu'un qui est capable de sacrifier, parce qu'un meneur il se sacrifie, parce qu'à un moment il va préférer un sacrifice dans le bon sens du terme, à mon sens, il va. Au lieu d'aller au panier, à un moment, il va préférer faire. Il va voir qu'il va faire la passe. Il a une passe à faire à un joueur qui est mieux placé, qui va peut-être mieux réussir, qui est dans un spot. Et il va donner ça. Il a le don. Il a cette envie de partager. Et alors, sacrifice, c'est un peu négatif parce qu'on a l'impression vraiment de sacrifier. C'est le principe, mais peut-être plus dans le partage, le sens du partage. Voilà, le sacrifice dans le sens du partage. Et puis défensivement, parce que c'est un sacrifice et ce sacrifice de soi-même, quoi. Il donne. Il doit donner défensivement tellement pour recevoir et pour faire que l'équipe elle soit dans cette dynamique-là. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir merci à toi. Et d'avoir échangé. Juste avant de vous quitter, on va donner le thème de dimanche pour le prochain live. Donc vous l'avez compris, pour dimanche, le live sera autour des postes 4 et 5. Nous aurons la présence de Daniel Paquet, la présence de Kevin Chappelle, la présence également de Benjamin Paviani et de Paul Miguel. Donc on a un panel également très chargé là. Et puis on finit avec le dernier commentaire de Guillaume qui lui dit caractère. Voilà. Oui. Donc merci à vous en tout cas pour cette. Je voulais dire une chose, parce que bon, les entraîneurs féminins ou les fans du basket féminin, peut-être on a beaucoup cité de joueurs masculins, mais pas trop de joueurs féminines. Donc, et souvent, on nous fait la remarque, le machisme des coachs, etc. Ah, donc, moi, ma meneuse préférée, c'est Yannick Souvré. Donc, s'il y a des Yannick Souvré un petit peu là sur le terrain, je suis preneur aussi. Hein, comme Laurent Sierra, il n'y a pas de souci. on peut citer une meneuse de jeu, peut-être Anto, ta meneuse de jeu préférée. Ma meneuse de jeu préférée, Laura Moisy. moi je connais. Ok, et toi Alex, ta meneuse de jeu préférée? Non, je peux pas. Ça me pose problème, moi, parce que dans le secteur féminin, après, ça va poser problème. Donc non, je les aime toutes avec leur spécificité. Voilà, toutes. Bon, merci à vous en tout cas pour ce super moment. Et on se retrouve dimanche pour les internautes et puis à très vite avec nos coachs. Bonne merci pour l'invitation. Bonne soirée. Merci à tous. Ciao. Merci. Ciao. Super idée en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci.